Chers amis des trains, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une escapade dans le Lot à bord du Truffadou, le chemin de fer touristique du Haut-Quercy. Truffadou, ce petit surnom curieux, vient du fait que le chemin de fer au siècle dernier transportait les célèbres truffes du marché de Martel en remplacement des gabarres sur la rivière Espérance. L'association Chemin de fer touristique du Haut-Quercy est née d'une poignée de bénévoles en 1991, menée par Philippe Coudeville, un ingénieur des mines, et Hervé Lacarrière, dont la propriété était traversée par la ligne Bordeaux-Aurillac. L'association est officialisée le 1er janvier 1992 et après de longues démarches administratives, elle devient propriétaire de 8 km de voies entre Martel et Saint-Denis-près-de-Martel. Il lui faudra plusieurs années pour sécuriser les voies dont la végétation avait pris le dessus et acquérir le matériel nécessaire. Matériel ferroviaire qu'il faut parfois aussi restaurer avant sa mise en circulation. Les premières circulations touristiques ont lieu en 1997 et 6000 voyageurs sont accueillis durant cette première saison. Pour ces trajets estivaux en belle saison, l'association met à disposition de ses passagers des baladeuses fabriquées maison sur la base de wagons plats de type K50. Chacune d'elles peut recevoir une soixantaine de passagers assis et une trentaine de passagers debout. Et l'une d'entre elles est d'ailleurs prévue pour pouvoir recevoir les usagers en situation de handicap. Voilà près de 3 heures que maintenant notre équipe de mécaniciens et chauffeurs prépare la 040 T17, la locomotive en charge de notre rame touristique aujourd'hui. Cette locomotive 040 T17 a été construite en 1927 par la Société Alsacienne de Construction Mécanique et fut affectée au Cocry-la-Sillardière dans la Loire. Rachetée par l'association, elle a été restaurée puis mise en service en 2011. En hiver 2021, elle a subi sa révision décennale. Date de 1926, c'est une voiture de première classe. À l'intérieur, c'est tout en velours. Et à la suite, le véhicule orange, notre locomotive diesel électrique de type DB63500. Elle date de 1965. Et c'est elle qui assure le voyage en train de diesel. Et toujours sur la droite, une deuxième voiture verte. Alors celle-ci, elle date de 1936. C'est la seconde et troisième classe. Vous regarderez en passant côté troisième classe, vous avez les mêmes sièges sur lesquels vous êtes si confortablement installés aujourd'hui. D'ailleurs, pour la petite histoire, autrefois en gare, il y avait de nombreux loueurs de coussins. Et je pense qu'il y a du sous de ce voyage, je comprends, mais pourquoi ? Nous quittons la gare de Martel et depuis cette gare, la rame est en pousse, c'est-à-dire que la 040 T17 est à l'arrière du convoi et pousse la rame vers l'avant. En tête de rame, nous avons donc une voiture pilote avec un agent de sécurité et une guide conférencière qui nous expose, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, l'histoire de cette ligne ferroviaire qui n'a pas été construite sans difficulté puisque de nombreuses personnes s'étaient opposées à l'époque à la construction de cette ligne. En particulier les propriétaires terriens qui voyaient leur territoire morcelé et surtout les acteurs économiques avec les gabarres qui ont même été jusqu'à détruire les voies à l'explosif. Et c'est pour ça que la voie est parsemée de maisons de garde, de garde-voies qui étaient là pour surveiller les constructions de l'époque. C'est que la construction de cette ligne, elle s'est faite sur fond de révolte sociale. Bon, alors, nous attend quelques détails qui ont été rajoutés avec les années. On a quand même bien gardé le style propre à la compagnie Carmoire-Lor. Voilà pour la maison des garde-voies. Attention, cheval de décor.
très brillante, hein, nous nous trouvons à 80 mètres au-dessus du lit de la rivière à Fontfalaise. Donc on évite vraiment les acrobaties, hein, ne frappez ni sur les murets, ni sur le radar. Après ces 30 minutes de voyage au décor époustouflant, nous voici arrivés à l'autre extrémité de la ligne, à la gare de Saint-Denis-près-Martel. Sur la gauche, on constate la construction d'une voie d'évitement qui permettra à terme de faire une remise en tête de la locomotive en bout de ligne, ainsi qu'une voie de stockage
avec une petite plaque tournante et du matériel pour les travaux de rénovation de la voie. Il y a également quelques engins de service. Et puis devant nous un panneau S. S comme sifflet. Alors là, ça vous indique que nous sommes de danger. En effet, on va traverser un passage à niveau communal, mais non gardé. Alors je rappelle la priorité absolue au train. Mais on va quand même faire du bruit pour s'annoncer au cas où il y aurait des automobilistes distraits ou un coup bas. Donc on fait bien attention aux oreilles dedans. Au voyage aller, notre guide conférencière n'est pas avare de détails pour nous raconter l'histoire de cette ligne ferroviaire tourmentée, le voyage retour est en revanche propice aux prises de vue et aux prises de son des passionnés.